Shalom, je suis le prophète Joël Fasso, le maréchal de la brigade multisorcière ici à Rabat, juste après la retraite spirituelle, un petit resto avec tous les participants de par rapport à cette retraite spirituelle. Mais pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous, c'est la troisième édition, que la grâce de Dieu elle était vraiment très bien organisée. La grâce de Dieu, nous avons vu des frères et des sœurs venus de Londres, deux personnes de la Suisse, deux faire une partie de Belgique. Et après ça, la Côte d'Ivoire, bien sûr, de la Côte d'Ivoire et de la France. Voilà, donc shalom à tout le monde. Pour nous, c'est de créer, n'est-ce pas, un comité, n'est-ce pas, de soutien par rapport au ministère et permettre un suivi après. Parce que c'est vraiment important de suivre un peu le travail fait. Voilà, le travail fait parce que c'est, pour nous, c'est vraiment important. Donc, désormais, nous lançons nos activités et désormais, c'est la sœur Gama. Il sera chargé désormais de suivre un peu le travail. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Avec le boulot, nous avons plus de 2000, 3000 personnes que nous recevons par jour. C'est pas facile pour nous de prendre en compte les coups de fil, les rendez-vous. Au départ, c'était maman Naomi, on a suspendu ça parce qu'elle n'avait pas le temps. Voilà. Donc, désormais, c'est qu'on la relève. Diamant, la soeur Diamant qui sera chargée bientôt de gérer tout ça. Pour ceux qui ont des rendez-vous sur le Skype, au niveau de l'Europe, le contact c'est désormais elle. Et comme ça, on aura l'occasion de suivre un peu le travail. Ici, par la grâce de Dieu, on a eu l'occasion de prier pour les bien-aimés, on a essayé d'échanger avec eux. Et puis, par la grâce de Dieu, des orientations selon Dieu, en train de pouvoir les aider. Parce que pour nous, le combat pour nous maintenant, c'est de permettre à la diaspora de ne pas voir l'Afrique comme une merde et de venir s'investir en Afrique surtout. Parce que l'Afrique a vraiment besoin de tout le monde, vraiment. Et à cause de cette présence, les gens ont peur. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette option pour la destruction des zones de la sorcellerie. Et donc désormais, c'est elle qui nous représente au niveau de l'Europe. Et pour l'Europe, c'est très bientôt. Je n'en parlerai pas, mais c'est très bientôt. Et je pense qu'elle sera chargée d'organiser, de vous tenir informé quand c'est sur le sol Paris. C'est très bientôt d'ailleurs, très bientôt. Je suis très attaqué qu'on annonce un peu notre arrivée à Paris. Nous savons combien de fois les gens nous attaquent. Je pense qu'à 8 jours, ma scène est préparée, qu'il y a soit quelque chose. C'est très bientôt. Je serai en Europe pour pouvoir aider tout le monde. Voilà, tout le monde. Donc merci pour tous ceux qui ont participé à cette croisade, cette requête spirituelle pour nous. C'est de vous aider. Pour nous, c'est de partager beaucoup de choses avec vous, de vous aider. On a pour dire que le ministère, la compassion des âmes, et surtout la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, vous tient à cœur. Et pour nous, il faudrait que vous avancez dans vos activités. Et pour que personne ne vienne nous alerter surtout. Et nous savons que nos problèmes, c'est ça, c'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la réalité africaine. La réalité africaine. Et Dieu en joue la façon de réalité. Et heureusement, quand j'ai un problème, il y a la solution. Heureusement que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, la solution. On nous donne le pouvoir de la destruction des œufs de la sorcellerie. Et nous allons continuer de mener ce combat jusqu'à ce que la sorcellerie lâche l'Afrique et que l'Afrique connaisse l'immergence. Et ça, c'est notre combat. Parce que la pauvreté qui vit l'Afrique, elle est spirituelle. Ce n'est pas une pauvreté matérielle, financière, mais la pauvreté spirituelle. À point que quand quelqu'un veut émerger, notre présence là, nous détruisons nos bras valides, nous détruisons des gens, nous les empêchons de venir investir. C'est ce qui mettait l'Afrique dans la pauvreté. Sinon, l'Afrique est riche en tout ça, dans tout, même en ressources humaines. Nos parents sont très riches, ils ont des grandes connaissances, ils sont bloqués par la société. Donc, c'est le combat que nous menons. Et moi, je suis beaucoup panafricain. Je suis beaucoup panafricain. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser des programmes ici en Afrique, qui serait un pont entre l'Europe et l'Afrique, donc le Maroc. Donc, je fais un coucou à tous ceux qui ne sont pas arrivés. Je pense que le prochain programme serait dans le mois de novembre. Voilà. Nous avons l'occasion d'arriver à Divo, donner la date définitive. Mais pour l'Europe, c'est très bientôt. Restez à l'écoute. Voilà, restez à l'écoute parce que nous avons trop d'ennemis que le diable qui ne veut pas que nous allons en Europe pour vous aider. C'est une question de jour. Voilà, donc la soeur Diamant aura l'occasion de donner son contact. Bonsoir, donc je suis Diamant, la représentante du ministère de la compassion des femmes en France. Et je serai une gardienne de 07 51 52 05 00 pour organiser la venue du prophète. En tout cas, je pense que c'est sûr. Contactez-moi et je vous tiendrai au courant de l'organisation précise. Alors, donc, je disais que je resterai joignable au 07 51 52 05 00. Je répète.
plus. Ceux qui ne sont pas en France, c'est le plus 337-51-52-05-00. Je répète, plus 337-51-05-00. Ok, j'en profite aussi pour dire merci. Du repos, la différence c'est que c'est G, c'est DGE. C'est Giro. Voilà, c'est Giro, c'est lui qui nous représente. Merci pour l'invitation. Au niveau du Maroc, je remercie Dieu même parce que les démons m'ont dit que tu es bon. Voilà, donc c'est lui. La prochaine requête, c'est dans le mois de novembre. Très bientôt, par la grâce de Dieu. Qui a vraiment bien organisé. Nous sommes vraiment très réjouis. Il y a eu la première, il y a eu la deuxième. Cette requête encore a été bien organisée. La prochaine, après, sera très bien organisée par la grâce de Dieu. C'est de maintenir le contact et puis le suivi. Il faudrait qu'on arrive à reçu. Au niveau de notre ministère d'Abidjan, vraiment, on a commencé à créer une cellule. Une cellule pour réfléchir un peu sur les bien-aimés qui sont dans la diaspora. Ceux qui ont envie d'investir pour essayer avec les parents que ça n'a pas marché. Nous allons créer une cellule au jour de la Côte d'Ivoire, permettre à ces bien-aimés qui veulent vraiment de l'aide, pour contacter le ministère. Et le ministère sera à leur disposition pour aider à la construction de leur maison, par exemple, pour une activité au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de réfléchir à ça. Juste dans le mois de janvier, nous allons, n'est-ce pas, mettre cette cellule en place afin de pouvoir aider. Nous préparons pour votre retour. Nous, c'est important. Que vous voulez pas, les gens vous amènent à comprendre que vous êtes africain, vous pouvez retourner chez vous. Et c'est ça le combat que nous menons. Et il faudrait préparer le retour. Voilà, il faudrait préparer le retour. Israël a beau faire pendant 430 ans, il retournait jouer à Canaan. C'était la destinée d'Israël. Que vous voulez ou pas, vous êtes africain. Et pour nous, l'Afrique. Parce que le rêve d'un blanc, c'est d'investir en Afrique. Et c'est le combat que nous menons. Il est vraiment spirituel. Nous avons besoin aussi de vos soutiens et c'est vraiment important. Merci pour ceux qui prient beaucoup pour nous. Nous avons vraiment besoin parce que nous avons beaucoup d'attaques. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de nos personnes, au travers de ce ministère, afin de pouvoir amener les gens à comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus du fétichisme, il y a un Dieu au-dessus du maraboutage, il y a un Dieu au-dessus du pouvoir de Satan. Et qui avec Jésus-Christ, tout marche. Voilà. Donc tu vas les prendre pour nous. Comme je l'ai dit, je resterai joignable. Pour tous ceux qui sont en France, au 07-51-52-05-00. Et pour l'Europe, c'est le 00-337-51-52-05-00. Nous empêche pas de prier, nous allons prier pour permettre de partager le repas ensemble. Vous avez mon onction, vous avez toute ma bénédiction. C'est tout. Notre souhait, c'est de vous voir prospérer. Notre souhait, que vos ennemis soient jamais écrasés. Et que le diable restitue tout ce qu'il nous a donné. Que ce soit le mariage, que ce soit la fécondité, le travail, nous les restituons dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour cette retraite que tu as bénie et merci encore pour cette rencontre. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de bénir tous ces bénévoles afin que leur retour soit béni, Seigneur notre Dieu. Merci de bénir sur les familles, c'est dans le nom de Jésus-Christ.